Salut à tous, c'est Broken. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode sur Uncharted 4. Voilà, allez, c'est parti. Rien dit. Yep. Pas droite. Ah, on est dans la prison. Hop, on monte les escaliers. Où est-ce qu'on va aller hein? Est-ce qu'on va... La ramène dans ma cellule? Ah, j'ai été sage. Hein. Salut, ça va bien? Attends, je suis demi-tour. Je suis demi-tour, ah non, finalement, je veux pas y aller. C'est bien en bas. Lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Y Vargas. C'est pas la sympathique tous ces gens. Nos encargamos de él. Muévanse. Quítense, cabrones. Tranquilízate. On dirait que tu as des admirateurs. Ouais, mon public adoré. Yo, ¿yo no? Abre las rejas. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Je parle un peu espagnol, tu sais. Attends, mais qu'est-ce que t'as dit? Voilà, où est-ce qu'il m'amène? Non, ça passe. Non, je veux pas y aller. Non, non, finalement, je vais repart. Ouais, c'est bon, ok, j'y vais. Bon, on le prend pas sur ce temps-là, hein. Non, 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 je suis pas intéressé. Je suis... Moi, ça m'intéresse pas. Ça. Ah, oh, non, non, ok, je vais par là, c'est bon. Hein. Par là? J'ai bien fait mon casse-couille, quoi. Ah, ici, sur le banc? Non? Ah bah si, c'était bien par là-bas. Après toi. Si vous pouvez me faire sortir, moi ça me plairait bien, moi. Je sais pas, ça ressemble pas au bureau du directeur. Mon autre gauche. Je tente toujours le coup, hein. Par là, c'est par où? Par là? Par là? On y est. Ok. Ok, tu me les enlèves ces menottes ou quoi? Je veux en être. En être? Je sais pas ce que vous comptez trouver là-haut. Mais je veux en être. Attends, Vargas, le deal, c'était que tu nous fasses entrer et ressortir, c'est tout. C'est tout. Je prends tous les risques à votre place, Gringos. C'est vrai, mais Rafe te verse une très grosse somme en contrepartie. Si. Mais c'est loin d'être suffisant. T'aurais jamais dû regarder dedans. Je sais. J'aurais jamais dû non plus me laisser acheter. Ni vous emmener dans cet endroit. Ni passer mes nerfs sur mes détenus. Mais c'est comme ça. Tu pourrais faire attention, ça a au moins 300 ans. J'étais membre de l'équipage du capitaine Henri Avery. Tu sais de qui il s'agit? Avery était un pirate. Le pirate qui a ramassé le bouton de toute l'histoire. D'accord. En gros, c'était un genre de coup monté que j'étais dans cette prison. 400 millions de dollars d'or et de bijoux. Tout ça sur un seul et unique bateau. Le Gunsway. Oui. Je sais, je connais cette histoire par cœur. Où est-ce que tu veux en venir? J'occupe la cellule la plus élevée de la prison espagnole. Ah, ici. J'espère qu'un jour, vous finirez par trouver votre chemin en ce lieu infernal, que vous porterez ma croix, et que vous découvrirez les richesses du paradis. Bon, bah, je cherche son trésor, alors. Qu'est-ce que tu veux? Les richesses du paradis. C'est une métaphore. Non, 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 non. Toi et tes amis, vous m'avez pas payé pour venir dans ce lieu infernal, alors on cherche une métaphore. Alors je veux en être.
D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Tu me laisses monter là-haut, faire le tour de cette cellule. Si jamais il reste quelque chose après 300 ans, t'auras qu'à t'arranger avec Rafe. Allez, détache-moi. La lettre. Por favor. Et comment tu comptes faire pour monter ? Je vais grimper. Oh, sans bien sûr, si tu veux le faire toi-même, puisque tu veux absolument en être. On va pas te briser le coup. Oui. Je vais faire en sorte. Eh ben allez. Grimpons. Qu'est-ce que j'ai demandé ? Ouais. Je l'ai caché juste là. En dessous de la table de travail. À côté des caisses. Super, merci. Ce qui m'a caché, où est-ce que c'est qui me l'a caché? Moi je veux savoir où c'est. Caché un trésor. Et voilà, les doigts dans le nez. Je gère pas un peu là. On va pas faire le con, on va pas sauter direct. Pas se suicider. Il y a quoi là-dedans? D'accord. Ah mais je peux pousser les caisses, ok. Ouais, ça paraît bien, ça c'est bien rangé là. Hop, on récupère le petit grappin. Qu'est-ce qu'on a de beau là? On a rien, y a pas de magazine. C'est tentant quand même, hein. Et que c'est tentant. Je savais que c'était tentant. Qu'est-ce qu'on a là? Et voilà. C'est qui le patron? J'ai trouvé un lion d'or. Voilà. Je savais, je me suis dit, ouais, il faut aller là-dedans. C'était trop suspicieux, ça. Hop là. Ça aussi c'est tentant, mais non. Alors qu'est-ce qu'il voulait? Oui, j'appuie sur. Il faut que j'aille là-haut. Comment je vais arriver là-haut? Ben je vais grimper. Là, un petit coup de grappin, petit coup de grappinasse, allez hop. C'est et parti. C'est parti. Même lui il a dit que c'était parti. Ça va, bon, à première vue, c'est vrai que dans le premier épisode c'était assez bref, vu qu'on était, je pense qu'on était, c'était quand on était petit, l'histoire du pensionnat et tout, bon ben voilà, il y avait sincèrement pas grand chose d'intéressant, là déjà de suite c'est quand même un petit peu plus intéressant. Et ben voilà, bravo, bravo Maurice. Ah oui, mais je vais au moins maintenant. Ah bah je vais là, ah bah voilà. Sinon j'aime bien, c'est quand même assez bien fait. C'est même plutôt bien fait, moi j'aime bien. Je trouve ça assez joli, assez réaliste. Bon bref, continuons. C'est par là, en m'accrochant à ce poteau. Ça devrait le faire. Mais attends. J'ai vraiment hâte de raconter ça à Sam. Je gère du poney moi. Je te fais des trucs, je sais même pas comment je fais ça quoi. Allez, toujours plus haut. Bon, il a dit toujours plus haut. On peut monter là. On peut monter. Je suis sûr qu'il y a un truc caché là-haut. C'est obligé, ils m'ont caché un truc. Ah non, c'est juste qu'en fait il fallait aller là. Allez, faut que je trouve la cellule la plus haute. Ah,
Bon alors, où en étais-je? Alors, est-ce que... Je sais pas, on peut monter des deux côtés peut-être. Allez, on tente par là. Ça me paraît bien par là, on peut pas sauter là-bas. Voilà, c'est pas mieux. Ah, mais vous pouvez monter. Allez, monte. Ça me fait peur, cette grille. C'est à côté, ils n'exagèrent pas non plus. Difficile de croire que des dizaines de pirates étaient terrés là-dedans. Attendant d'être pendus. Oh putain, c'était... Et maintenant? Alors, je suis rentré, déjà. Qu'a-t-on trouvé? Un plan. Une lettre. Oh, moi qui trouvais les prisons modernes horribles. Mais je suis con, je pouvais faire lire. Je reprends la lettre. Lire. Bon, ok. Ah, d'accord. Voilà. C'était très intéressant, très instructif. What? Maintenez. Ah, on peut tirer. Il n'y avait pas assez de luminosité, il faisait pas assez jour. Maintenant, je crois que je peux aller là. Bon. Je crois que je peux rentrer par la fenêtre. J'ai du mal à croire que cet endroit tient encore debout. Les Espagnols savaient construire des prisons solides. Beaucoup de pirates ont dû mourir là. Bon, il n'y a rien. Donc là, et on va sortir par la fenêtre. Ça, c'est pas con, ça. Allez, ça, c'est intelligent. Faut bien le reconnaître. C'est vraiment trop cool. Grave. Ça, c'est trop cool. Allez. Allez, monte. Si seulement Sam pouvait voir ça. Ah ben non, on peut pas. Eh ben voilà alors. Nous y voilà. C'est la cellule de base. Et voilà. Je suis rentré. Ça ressemble plutôt à une suite. Alors, par où commencer? Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait de beau? Il nous a fait des petits dessins. Tous ces gribouillis et ces rayures doivent bien avoir un sens. Le soleil et la lune, les symboles alchimiques de l'or et de l'argent. Ouais. Une minute. Il semble que j'ai vu quelque chose comme ça sur la lettre. Hop, consultons. C'est bien une partie du symbole. Ah, voilà l'autre moitié. Alors. Ça veut dire qu'il faut plier. C'est moi qui ai fabriqué le jeu. Sagittaire et Scorpion. Il n'y a rien de ce côté-là. C'est cool, et je tourne et... Je re-retourne. Donc il me faut... une espèce d'encre. et cette chose-là. Ouais, c'est là, c'est cool. Non... Ah d'accord, faut décrypter. Il faut que je touche les pierres et tout, c'est quoi ce truc de fou? Alors, l'encre égale 10. Ok. Et j'ai dit quoi après?
Je sais plus. Ça devait être ça. 2. Disons 10 et 2. Et ici où 10. Ah, il est là. Alors. Le chiffre romain 10. Rien. Qu'est-ce que disait la lettre déjà? Eh ben, ça disait ça. Ça disait l'encre et ça. Oh, c'est bon, ça suffit. Bah, je sais pas, moi c'est 10. Quoi? Signe scorpion et un 2 en chiffre romain. Yeah, j'appuie sur 2 en premier. Oh là là, c'est bien compliqué tout ça. Et le chiffre romain 2. Non. Alors, où il est le symbole du Sagittaire? Le Sagittaire. Je galère, mais je gueule. 10 en chiffre romain, bah ouais, mais j'ai compris ça. Ouais, mais le seul 10 que j'ai trouvé, moi, il est là. Non. Non. 9. Il veut pas me le prendre. Sniff. Et il aurait pas pu en cacher un quelque part ailleurs, quoi, aussi. Ouais. Je peux plus prendre le 10. Bon, c'est pas grave, on va aller prendre le 2 qui est là. Bon, en fait, quand je les aurai tout essayé, c'est ça que je vais trouver. Ah oui, j'ai dû louper quelque chose. Oui, mais ça, j'ai compris ça. Alors, je reprends mon parchemin. Ouais, nous avons bien cette encre et ce truc là. Et ce truc qui est. Qui est là, donc c'est 2. Comprends, je sais même pas. Alors. Mais oui, mais oui, mais oui, mais non, quoi. Ou alors il faut additionner les deux. Peut-être. 2, non, 10 et 2, ça fait 12. C'est peut-être logique, hein. X et II. Ouais, je suis vraiment... Qu'est-ce que je suis fort. J'ai voulu faire ça bien, moi. J'ai voulu faire les deux, quoi. Regarde-moi un peu ça. Et ben voilà. On a trouvé une belle petite statue. Petite statue du Christ en or. Cool, je sais plus dire quoi tout ça. Allez, rangé. Eh, trouve un truc, genre. Bon petit lingot d'or là. D'autres petites couronnes, allez. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ok. Il est temps d'y aller. Ça va, tout ça pour cette petite statuette là? Et moi je croyais qu'il y avait un trésor de ouf quoi. Allez hop. On s'en va. La première marche est dangereuse. Putain, effectivement. Ouais. Oh, comme j'ai eu peur. Ah ça c'était beau ça. Le lancer de grappin à l'arrière. C'est parti. Hmm.
Non. Non. Pourquoi j'ai oublié de sauter? Pourquoi ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est parti. Bon, c'est pas grave, on a rien vu. Je crois qu'on peut me balancer non. Comme ça là. Carrément. Hop là, on va y aller tranquille hein, sur la poutre. On va y aller comme un bourrin. Hop, 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 hop. C'est cool, je suis quoi après? Ouf. J'aimerais bien voir Ray faire ça. Elle a plein. Ah, ça va. J'ai géré. Bon, à part que je suis tombé. Mais j'ai géré sinon. C'était mon épaule. Ah, je suis revenu là. Nickel. Hop, 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 allez, hop. Ça sent l'arnaque sur la droite, à mon avis, ça sent la mort, hein. Y a rien là. Moi je dis ça c'était magnifique. Et quoi, y a pas un petit trésor caché là-dedans là? Non. Non. Ah bah faut monter. Allez c'est parti. Hop, hop. Ça c'est mon signe. On peut monter plus haut. J'ai pas l'impression. Hop là. Hop. Mais ça gère. Et voilà, le tour est joué. T'as trouvé quoi? Drake. J'ai trouvé une petite statuette. L'endroit a été pillé. S'il y a un indice caché là-haut, j'ai pas réussi à le trouver. T'en es sûr? T'as bien regardé au bon endroit? Je sais pas, j'ai peut-être loupé une info dans la lettre. Il y avait peut-être une autre tour dans le coin qui a fini par tomber en ruine. Ouais, c'est ça. Est-ce que il y a des plans de ces bâtiments? Des plans d'architecte? Ça se pourrait, il y a pas mal de paperasse. Ok, super, alors on va en faire le tour et vois ce que tu peux trouver. Pendant ce temps, je vais parler à Sam. C'est lui l'expert sur Avery. Si ça se trouve, il comprendra tout ça mieux que moi. D'accord. Je vais regarder les dossiers. Ouais. Tourne-toi. Ouais. Hop. Allez. Un ratage. C'est juste que j'ai récupéré une putain de statuette en or avec une croix. Enfin, une croix, mais... Voilà. Ça se voit pas. Parler, viens m'expliquer. On fait ça. Gringo, si je te reprends encore à te battre... Je te foutre une semaine. Mais c'est correcteur, Vargas. Ah ouais, il joue bien quand même. Hein. Voilà ce qu'il est où là. Puedo decir, suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Oh la vache, il t'en vraiment pas loupé, ça ouais, va? C'est la routine, rien de bien méchant. Allez, viens. Hé, hey, oh, tu vas quand même pas faire durer le suspense? Si, si. Tu veux dire, on avait raison. Il ne nous reste plus qu'à trouver Raif et à... Non, commence pas, s'il te plaît. Allez, arrête. Tu l'as dit toi-même. C'est nous, les cerveaux, toi et moi. Cette espèce de gosse de riche débarque au dernier moment. Ça fait combien de temps qu'on essaie d'entrer? On avait quelques pistes. Non, on n'en avait pas. On avait que dalle. Que ça te plaise ou non, sans Raif, sans Vargas, on ne serait jamais rentré ici. Parlant de Vargas, on va avoir un problème. Quel genre de problème? Il t'a fait rentrer dans la vieille prison? Ouais, ouais, il l'a fait. Bien. Mais après avoir lu la lettre.
C'est pas grave. On le tuera, puis voilà, on n'en parle plus. Oh merde. Riff, si jamais quelqu'un d'autre en entend parler. T'inquiète pas, je vais m'occuper de Vargas, ça va aller. Pour l'instant, on ferait mieux de se concentrer sur plus important. T'as raison. Il faut qu'on trouve un endroit un peu plus discret. Ouais. Ouais, bah, bien sûr. Je vais pas la sortir comme ça au milieu de tout le monde, la petite statuette que j'ai dans mon slip. Mec, ils font comme je faisais aussi sans prison, ils font tranquille, okay. Ils vont balader. Qu'est-ce qu'on a ? Ouh, merde. Est-ce que je peux ? Attention, s'il te plaît. Il est en bois incrusté d'or et d'argent. C'est de la belle ouvrage. Ah bah ouais, c'est beau. Complètement creux. Pourquoi est-ce que l'un des hommes d'Avry prendrait la peine de cacher un crucifix qui n'a aucune valeur ? Ben, parce que c'est pas un crucifix. Techniquement, un crucifix est une représentation de Jésus. Là, c'est pas Jésus. T'as raison, pas de couronne d'épines, il est ligoté à la croix. Mais alors, si c'est pas Jésus ? Lis l'inscription. Alors, on va savoir. Factis recipimus. Nous recevons... Ça dit nous recevons ce que nos actions ont mérité. Ouais. Impressionnant. C'est l'avantage de grandir dans un orphelinat catholique. Donc c'est Saint Dismas. Ouais, le voleur pénitent. Il y a un lien avec lequel... Bon. Les gars, vous pouvez m'expliquer, je vous rappelle que j'ai pas fait mon catéchisme. Alors, pendant la crucifixion, Jésus est placé au milieu de deux voleurs, ok ? L'un des deux s'est moqué de Jésus, l'autre voleur, ce gars-là, il est pénitent. Il a accepté son châtiment de bonne grâce. Du coup, Jésus l'a fait monter au paradis. Le voleur pénitent. Ouais. Quoi ? C'est quoi la suite ? Il y a bien une cathédrale dédiée à Saint Dismas. Elle est en Écosse. Et la dernière fois qu'on a vu Avry, c'était en Écosse. C'est quand même pas une coïncidence. J'avais des doutes sur vos compétences à tous les deux, mais... Allons chercher Vargas et foutons le camp de ce toit. Et on part en Écosse. Ah, non, d'abord on va taper des gens. Laisse-moi deviner, ce serait pas le type avec qui tu t'es battu ? Je savais pas qu'il avait autant d'amis. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ok ? No tarde para hablar. ¿Quién no sale ? Tú no te metas. Eh ben voilà, je l'avais dit. Je sais même pas sur qui je dois taper. C'est sur les blancs, on dirait. Je vais dans tous les sens, moi. Ça va, pour l'instant, ça va. Lâche-moi, salaud, va. Hop là, petite roulade. Allez, on t'appuie. Ça, c'était beau, ça. Ça, c'était magnifique. Je sais même pas où je cours. Je cours dans tous les sens. Ah, là, je l'avais pas vu. Hop là. Par-ci. Oh là, oh bah ça c'était beau. Ah, non, c'est Charogne hein, qui m'attaque à deux. Tiens, mais ils sont combien hein? Non, lâche-moi là. Hop, tu vas pas me faire rentrer là-dedans. Vite. Mais lâchez-moi. Ah non. Ya basta de hablar. Ça, c'était pas sympa. Sortez le petit couteau, là. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alínense. C'est bien, ça. J'aurais pu au moins meurer qu'un français, quoi. Non, mais.
que tu fais de la contrebande. Oh, yes. Cállate! ¿Por qué es que te prends? Llévalos a su celda. Me trae a los gringos a mi oficina. Et voilà, j'avais dit que j'avais trouvé. Je suis niqué. Déjenos. Déjenos. Ça t'en a pris du temps. On a bien failli se faire tuer. Ça peut s'arranger. Vargas ? Sérieux là? Oh. Non, j'ai rien trouvé du tout. C'est forcément dans une autre tour. Alors? Il y a des catholiques pure souche, tu sais. J'en ai toujours une sur moi. Très drôle. Hé, hey, du calme. Elle a aucune valeur, d'accord? Vous me prenez pour un con? Oh, si tu veux qu'on renégocie, allons-y, mais arrête de jouer à la racaille du tiers-monde. Allez, pose ce flingue. Merci. Je te propose de passer ta part à... 10%. 50%. C'est nous qui faisons tout le boulot. 20%. Si on n'était pas là, t'aurais rien. 25%. Quel mystère. C'est de gratter, hein. 25. Ça vous paraît équitable? C'est pour ça qu'il va nous tuer. Ok, ça marche. 400 millions divisé par 4, c'est logique. Alors, marché conclu. Ok, marché conclu. Super. Mais si jamais vous essayez de me... Mais putain. Voilà, c'est allé. T'es devenu complètement dingue ou quoi? Tu veux vraiment le savoir? Mais merde, qu'est-ce qu'on fait? On s'en tient au plan. Ça faisait partie de... Ouais, bah on a paniqué là. Je connais un petit peu à l'intérieur. Allez, allez, dépêche! C'est vrai. Allez, on s'enfuit. J'avais dit qu'on allait s'enfuir de la prison, hein. En train de tirer dessus quoi. Hop là, heureusement qu'il y a lui devant parce que sinon je saurais pas par où il faut passer moi. Je suis, je vais essayer de pas me perdre. Ça tire de partout. Ah, elle pouvait me le dire qu'on pouvait grimper là. Allez, 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 dépêchez-vous. Là, tu m'as bousculé, oh. Allez, vite, 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 vite. Hop là. Hop là. Eh ben, hop là dans le cul. C'est pas vrai. Ah, oh, putain. Salut, c'est fini. Là, je monte par où maintenant, Maurice, moi. Alors, s'il y a un conduit, passons par là. Ouais, non, mais c'est bon, ça suffit. Allez, après toi.
moi. Bon. Hop là, on va pas aller voir eux parce que ça a pas l'air sympathique. Ah bah si, j'utilise. Ils ont pas abandonné. Hop là, on grimpe, allez hop 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 hop, on grimpe, on grimpe, on grimpe. C'est beaucoup de grimpage, oui. Mais on fait que ça, je fais que ça, je me dépêche. Hop 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 hop. Vas-y, je peux te hisser. C'était moins deux. Je te tire. Allez. C'était moins deux aussi, hein. Sam, non. Non, accroche-toi. Accroche-toi. Sam. Tends-moi. Ah ben voilà, bravo. Faut pas rester là. Non, non, il est toujours là. Non, il est plus là. Et le bateau nous attend juste derrière ce mur. Non, non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas le laisser là. Nate, ton frère est mort. Viens avec moi avant de finir comme lui. Non, non, il est... Parce que à mon avis, s'il m'attrape, ils vont pas... Je vais pas apprécier non plus, de toute façon. Allez, on s'en va vite. Allez, go, 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 go. Non. Je me disais aussi, c'était trop beau. Oh, elle est peut-être pas mort non plus. Ouais, ouais, j'y arrive. Faut pas que je m'arrête. Peut-être le retrouver. Oh my god, ça c'est de la chute. Je crois que ça se termine, fait. Ça se termine là. À mon avis, ça va me faire passer un genre d'autre chapitre après. Voilà, donc du coup, ben, j'espère que ça vous a bien plu. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, et je vous dis à très vite donc, pour la suite des aventures sur Uncharted 4. Ciao !